Des plantons d'arbres bordent les pâturages de Valérie Piquant. Pour l'instant, ils sont encore petits. Mais dans quelques années, ils devraient former un mur vert de plantes sauvages et représenteront un fourrage supplémentaire pour ses vaches. Alors ça, c'est un arbre intéressant. C'est vraiment un essai. C'est une légumineuse, donc elle fixe l'azote de l'air dans ses racines en symbiose avec des bactéries. Ça s'appelle Coluthea arborescens. Et l'idée, c'est que les vaches, elles vont manger que les jeunes feuilles. Elles vont pas manger les tiges, évidemment, comme partout. Et là, ça va être un fourrage qui devrait être assez riche. Pour les vaches, les plantes sauvages sont un délice. Pour le moment, elles se contentent de foin. Dans 2 ou 3 ans, elles pourront grignoter, entre autres, des feuilles de tilleul, de frêne ou d'érable. Ce qui devrait faciliter leur digestion, estime Valérie Piquant. De tout temps, elles ont mangé des feuilles, donc là, il n'y a aucun souci. Par contre, ce qui va être difficile, c'est plutôt réussir à leur faire manger les feuilles de ces arbres-là, mais pas de ces arbres-là, pas des pommiers. Donc là, nous, on va devoir un petit peu apprendre à comment on va faire pour faire en sorte qu'elles mangent les feuilles qu'on veut qu'elles mangent au moment où on veut qu'elles les mangent. À quelle vitesse, à quelle distance, ça c'est ce qu'on doit apprendre. C'est seulement à cette condition que les arbres pourront pousser correctement et que l'agricultrice pourra en récolter les fruits. Dans le temps, les animaux de rente ne consommaient pas des aliments fortement énergisés, mais des produits bruts comme le foin, des écorces, de l'herbe ou justement des feuilles. C'est ce qu'affirme la fondation Prospetia Rara, qui promeut le développement des prairies en tout genre et estime que les agriculteurs ne sont pas les seuls qui devaient planter des arbres. On peut même imaginer planter de la nourriture très saine pour ces animaux domestiques dans un jardin privé, en ville ou même dans un grand pot sur un balcon. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que les pâturages sont en soi des promoteurs de la biodiversité puisque de très nombreux insectes vivent grâce aux pâturages. Ces pâturages arborisés apportent donc de nombreux avantages pour les insectes, le bétail, mais aussi pour la culture des céréales. La plantation d'arbres, ça crée vraiment un microclimat. L'herbe, elle est moins sensible au chaud, s'il y a un petit peu d'ombre, moins de vent, ce qui est ici vraiment un facteur. Donc pour nous, c'est vraiment une façon d'être plus résilient face au changement climatique à venir ou qu'on expérimente déjà. Désormais, Valérie Piquant devra faire ses expériences avec ses nouveaux arbres fourragés. Ce qui est un petit peu difficile en ce moment avec ces arbres fourragés, c'est qu'il y a très peu de connaissances actuelles. Donc on doit un peu les créer nous-mêmes, on doit faire nos essais et on ne sait pas ce qui est juste, on le saura dans 10 ans ou dans 15 ans. Le projet de Valérie Piquant sera évalué par l'Institut pour la recherche d'agriculture biologique FIBEL et par l'Office de l'agriculture du canton de Berne.